Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. Bon, alors aujourd'hui, il fallait jouer en blanc ou en rouge, un truc comme ça. Et puis, j'ai joué mon mono blanc et c'est passé crème. Ce que je vois, j'ai pas terminé tout d'ailleurs. Là, il va falloir que je joue des terrains, ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, j'en ai plus que 4 à faire, je le ferai après l'émission. Ça me permettra de récupérer pas mal de couronnes et d'expérience. Donc on est au niveau 17 au niveau de la maîtrise, hein, ça n'a pas changé. On est à 1450 au niveau des gemmes. On a 75 750 parce que j'ai acheté une dizaine de boosters. On est à 3 courants, 5 inhabituels, 1 mythique, et le coffre est ouvert à 55,2%. On a 3 jetons de draft et 3 jetons de lancer. Donc on va aller directement au niveau des boosters vu que j'ai acheté des boosters avant. On va commencer par un golden, une fois n'est pas coutume. Alors au niveau du golden, on commence avec carte Izette, c'est Lila, tir charme invaincu. Donc Izette, c'est la magie bleue et rouge, hein, l'école de magie bleue et rouge. Créature légendaire humain et gredin, elle a la capacité prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel multicolore depuis votre main, exilez ce sort à la place de le mettre dans votre cimetière au moment où se résout. Si vous faites ainsi, il devient comploté. 3 en force et 3 en défense. Ok, bon, bah, ça va. Une 3-3 pour 3 avec 2-3 capacités, bah, c'est plus qu'équilibré. Hein. Donc une bonne carte pour un deck Izette. On continue avec Vraska rejoint l'équipe. C'est une carte cette fois-ci Golgari, hein, évidemment Vraska quoi. Donc Golgari, magie, école de magie noire et verte. C'est un enchantement légendaire. Quand Vraska rejoint l'équipe, arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur contact mortel sur chaque créature que vous contrôlez. À chaque fois qu'une créature légendaire que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors ça, c'est à jouer en deck poison avec l'espèce de barbare là qui met 2 points de poison à chaque fois qu'il touche. Donc vous mettez vos créatures, vous mettez Vraska qui va leur donner tous le contact mortel. Plus leur poison, bah écoutez, en face ça va vite soit dégager au niveau des cartes, soit il va laisser passer et là c'est sa vie qui va partir très très rapidement quoi. Petite phrase, laissez Oko croire qu'il avait toutes les cartes, lui donner la couverture parfaite pour mettre son propre plan à exécution. Ok, on continue avec Lila, tire charme invaincu, punaise, 2 fois de suite. Ok. Et empoisonneuse à bonbons, carte noire qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Allez, on va commencer par celle-ci. Rapine, la clé qui ouvre tout. Carte 3 couleurs, vert, bleu et rouge. Donc créature légendaire, bête et noble. Équipé de parade, au début de votre entretien, exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de cartes parmi les autres permanents non terrain que vous contrôlez. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. 1 en force et 2 en défense. Petite phrase. Ultime butin de la chambre forte n'était pas vraiment ce qu'avait imaginé Kellan. Ok. On continue et on termine avec Galta, tyrante de la ruée, carte verte qui arrive au 8ème round et qu'on connaît. Ouais.
Ah, pour les decks dinosaures, tribal dinosaures, ça peut faire l'affaire. Une 12-12, ça se prend. Bon, bah écoutez, il y avait une petite phrase là-dessus. Ouais, si, je l'avais lu. Ok, bon, bah écoutez, on continue, on enchaîne encore avec deux boosters. Donc là, on commence avec Servant du Dard, carte noire qui arrive au deuxième round. C'est une créature humain et psychagogue. Elle est équipée du contact mortel. À chaque fois que la Servante du Dard inflige des blessures de combat à un joueur, si vous avez commis un crime ce tour-ci, vous pouvez sacrifier la Servante du Dard. Si vous faites ainsi, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. 1 en force et 3 en défense. Ok, pas de petite phrase. Pas grave, on prend pas mal. Dracon de Geyser, carte bleue qui arrive au troisième round, créature dragon, équipée du vol évidemment. Tant que ça n'est pas votre tour, les sorts que vous lancez coûtent un de moins à lancer. 2 en force, 3 en défense. Petite phrase, à l'approche de la saison des amours, les dracons plongent dans les geysers bouillants, révélant leurs écailles chatoyantes masquées par la poussière. On continue avec Commando de Deliberatos. Carte verte qui arrive au troisième round. C'est une créature centaure et mercenaire. Le Commando Deliberatos arrive sur le champ de bataille avec sur lui deux marqueurs plus en plus un s'il n'a pas été lancé ou si aucun mana n'a été dépensé ce pour le lancer. Complot 4 dont un vert, un mana vert, 3 en force et 3 en défense. Ok. Bon bah écoutez, on continue et on enchaîne avec une carte Izzet, encore une fois, donc magie l'école de magie bleue et rouge. C'est Grésipothèse. C'est un sort d'éphémère, piochez deux cartes, vous pouvez ensuite vous défausser d'une carte non-terrain. Quand vous faites ainsi, la Grésipothèse inflige 4 blessures à une créature ciblée. Ok, est-ce qu'il y avait une phrase? Oui. La fièvre scientifique fait rage. Les autorités recommandent d'éviter les livres d'attaque. Capture au lasso, carte blanche qui arrive au quatrième round. C'est un enchantement. Quand la capture au lasso arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé d'un adversaire qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la capture de lasso quitte le champ de bataille. Quand la capture de l'assaut arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 rouge mercenaire avec, si vous l'engagez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc ça crée du jeton et c'est pour du boros. Ouais, ça se joue en blanc-rouge. Hein. Donc voilà. Ok. Sachant que si vous jouez en Boros, il y a mieux. Hein. Il y a le tribal Bovidé là. Grizzly Bouvier, carte verte qu'on connaît, qui arrive au troisième round. Sinon, un land qu'on connaît, hein, c'est un land Selenia qui s'appelle Land de Créozote. Ok, bon bah écoutez. On va commencer à avoir du doublon. Hein. Piller les marais, carte Golgari qui arrive au deuxième round, donc et Conconi. Ok. Bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. 55,2, toujours. Ok. Bon, bah ça aurait été rapide. Allez, encore un. Et hop. Alors, on enchaîne avec une Azorius, donc magie, école de magie blanche et bleue. Dresseuse des damnés, c'est une créature humain et soldat. Elle est équipée du flash au début de votre étape de fin. Si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre main ce tour-ci, créez un jeton de créature de 2 blanche esprit et avec le vol. Donc 1 en force et 4 en défense. Petite phrase, un compte à régler? Ça va dans les deux sens, l'ami. Ok. On continue avec un Joker courant, ce qui nous fait 4 courants, 6 inhabituels et un mythique.
et le coffre est toujours à 55,2%. Strix, Bizarre, carte bleue qui arrive au premier round et qu'on connaît. On enchaîne avec une carte verte qui arrive au troisième round, c'est le tourbillon d'épines. C'est une carte d'éphémère, détruisez une créature avec le vol ciblé, recyclé pour 2, dont un vert. Petite phrase, le temps sera épineux aujourd'hui. Ah, je suis désolé, mais ça fait au moins la deuxième ou troisième que j'ai. Hein. Elle n'est pas nouvelle. Jolene, pugiliste, pillard. Carte de l'école Grul, donc magie rouge et verte, qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Ah non, même pas, on connaît pas, donc jeu. Créature légendaire, humain et mercenaire. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature de force supérieure ou égale à 4, créez un jeton trésor. Pour 2 manas, dont un rouge, sacrifié un trésor, Jolene, pugiliste, pillard. Inflige une blessure à n'importe quelle cible. Elle a 4 en force et 2 en défense. Ok, petite phrase. Bon, est-ce qu'on fait simple ou est-ce qu'on s'amuse un peu? On enchaîne avec Sentinelle de Meute à Piquant, carte verte qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. Ensuite, Brishen Nezumi, carte noire qui arrive au premier rang, créature rat et psychagogue. Quand le Brishen Nezumi meurt, créez un jeton de créature 1-1 rouge mercenaire avec, si vous l'engagez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, un en force et un en défense. Donc ça aussi ça crée du jeton, mais cette fois-ci en Rakdos, donc école de magie noire et rouge. Donc ouais, et comme il y a pas mal de cartes rouges qui font aussi du rat, ainsi que des cartes noires d'ailleurs, ouais, ça peut être du tribal rat assez rapide. Hein. Ok, ouais c'est cool. Riku, des mains de chemin. Carte 3 couleurs, vert, bleu, rouge. C'est une carte qu'on connaît normalement. Ouais, on la connaît. On la connaît même bien. Ok, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une 3-3 pour 3 avec 3 possibilités, plus de la création de jetons, plus qu'équilibré quoi. Ok, bon bah c'est cool. Et bah écoutez, on va se laisser là. Hein. On a eu des bonnes cartes. On n'a pas à se plaindre. Ensuite. Ah, c'est vrai, pourquoi j'en ai pris 12 moi de machin? J'avais pas besoin d'en prendre 12. Ouais, c'est rien, c'est pas grave. Ouais, c'est la vieillesse, je commence à radoter. Hop. Alors, on est à 39%. Ok. Et on va sur la deuxième semaine. Donc, ça va quoi. Bah, encore, j'aurais pu tout faire le premier jour, c'est parce que j'économise. Donc 4 en mythique, 18 en rare, 32 en inhabituel, 47 en courant. Donc voilà. On est plutôt bon là. On est plutôt bon. Bon bah je vais vous laisser. Il est temps de se dire adieu. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous profitez bien de vos proches et de cette belle journée. Allez, bye bye tout le monde. Salut.